dire que je suis. Je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse au rugby français sur la qualité des arbitres. Parce que, franchement, que ce soit pour La Rochelle ou pour nous, M. Dalmazo est en dehors du sujet. Et je crois qu'il sort du match et qu'il peut même faire sortir les deux équipes du match. Donc, pour moi, c'est une erreur. Je suis très content d'avoir gagné, mais franchement, on mérite, avec des équipes de cette qualité, un arbitrage de qualité. Je suis vraiment déçu ce soir. Il faudra que le rugby français s'y penche, même en Pro D2 et à ce niveau-là. En dehors de ça, moi je suis content de mon équipe. Ils ont été jusqu'au bout, ils se sont battus, ils ont eu l'envie de tenir. Et à 14, à un moment, c'était pas facile, même à 13, donc voilà. Et donc il faut les remercier. Maintenant, ce n'est qu'une étape, hein. C'est une grosse équipe et on en attend une grosse la semaine prochaine, qui est Aurillac. Il faudra oublier le match amical et il va falloir s'y remettre. Contre Aurillac, il faut reprendre des points et des points et des points parce que c'est l'objectif du club cette année. Trois essais ce soir, c'était un peu la marque de fabrique du SUA l'année dernière. Est-ce que l'équipe commence à retrouver ses repères offensifs? Oui, c'est bien, mais on en prend deux. Dont un essai de pénalité pas imaginaire mais un peu sévère je trouve, et puis on se fait quand même trouver deux fois quand même, donc il faut être conscient, il faut être honnête quand même. À un moment ils ont des lancements de jeu, ils nous ont transpercé deux fois, voire trois fois. Je parlais avec Adri tout à l'heure, il y a quand même du travail quoi. Bon, c'était La Rochelle, on en aura d'autres qui auront des lignes arrière de qualité et qui pourront peut-être aller à Dame, donc faisons attention quand même. Par contre, devant, un gros combat et un gros engagement de la première ligne. Oui, alors on a remis les choses en place. Hein. Je pense que la première ligne a remontré qu'à Agen, on le savait aussi, ce que c'était que la mêlée. Il faut les remercier. Je trouve une très bonne rentrée aussi de Thomas Sinagel, une fois qu'il a remplacé Arsène. Une entrée d'Anton tout à fait correcte. Donc franchement, non, il faut dire que le paquet d'avant était à la hauteur, devant une très belle équipe aussi de La Rochelle, hein, qui est dense, massif. Donc, on a remis les choses un petit peu en place par rapport à Dax. Et on a joué 80 minutes, alors qu'à Dax, on a joué 40 minutes. Victoire ici contre La Rochelle, est-ce que la saison du Sporting est lancée? Elle était lancée à Dax, à part une défaite, hein, mais lancée, vous savez, il reste combien, 28 matchs, c'est ça? C'était important ce soir de battre La Rochelle. On a trouvé un La Rochelle à la hauteur de sa réputation, excellent. Parce que même quand on a pris, on aurait pu penser un avantage dont moi je savais qu'il n'était pas définitif, mais ils sont revenus dans le match. Donc c'est une victoire, même si elle est tirée par les cheveux, qui est probante. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette équipe d'Agen ce soir? De pas avoir eu la trouille et de pas avoir un mental un peu en papier carton, parce que suite à une demi-finale perdue, une défaite à Dax, on aurait pu peut-être mentalement douter. Et l'équipe s'est bien lancée dans le match, on n'a pas douté, on a été solide en défense. Et comme je disais, on a amélioré nos points faibles la semaine dernière, la mêlée, les rucks, où là on a été très présent, on a eu une excellente touche. Et puis, surtout ce qui me fait plaisir, c'est qu'on marque à nouveau trois essais. C'était le rythme la saison passée. J'espère que ça aura fait du bien mentalement aux joueurs de se sentir capable de repasser la ligne, sachant qu'on a au moins deux grosses occasions qu'on ne met pas. Mais les Rochelais, je pense, en ont eu autant. La semaine prochaine, Aurillac, à quel type de match il faut s'attendre? Un match pas loin de celui de ce soir, parce qu'Aurillac est une équipe dont on ne peut jamais s'attendre au rugby qu'elle va faire. Elle est capable de pratiquer un rugby très offensif. Elle peut être très solide dans son organisation, au pied, défensivement. Donc il faudra surtout s'adapter et puis aborder ce match avec énormément de détermination. C'est critiqué la semaine dernière. Est-ce que les avants ont remis les choses au point? Oui, plus ou moins. Après, critiqué, on avait pas de tension. On avait subi sur les mêlées, surtout sur les mêlées importantes, en fait, la semaine dernière. On a essayé de remettre les choses au point. Après, dire qu'on l'a réussi, c'est un grand mot. Mais on était plus fort sur les mêlées essentielles du match, les mêlées importantes. Le match face à Dax avait été difficile et finalement dominé dans les 20 dernières minutes. Là, ça a été un petit peu l'inverse ce soir. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, on gagne contre une très bonne équipe de La Rochelle, je trouve, qui va embêter beaucoup de monde à l'extérieur. S'ils ont perdu d'un point à Mont-de-Marsan, c'est pas pour rien. Et voilà, l'important était la victoire, de reprendre Agen avec une victoire, c'est chose faite. Et voilà, dès ce soir, on se plonge dans le match d'Aurillac de dimanche prochain. Comment vous évaluez cette équipe par rapport à celle de la saison dernière? Voilà, il n'y a pas de comparaison à faire. Voilà, c'est un groupe en continuité, qui vit dans la continuité, on vit bien ensemble. Maintenant, voilà, il faut qu'on se prouve sur le terrain qu'on est une bande de copains. C'est là-dessus, surtout, qu'on va y arriver.
Ta collaboration avec Andron en deuxième ligne, visiblement ça se passe bien. Ouais, ça va très très bien. C'est... En même temps, voilà, c'est un mec qui est très bon rugbystiquement, qui a de très bonnes valeurs, qui est très guerrier. Et... Après, voilà, on peut jouer avec n'importe qui, ça se passe bien dans le groupe, c'est ça l'essentiel.